Il me disait, salut monsieur. Salut, ça va? Salut monsieur N'Golo. Salut. On dit quoi? Joyeux Noël par anticipation. Joyeux Noël aussi. Joyeux Noël aussi. Merci d'être venu au barbecue de l'extrême. Oui. Voilà, c'est l'événement au barbecue de l'extrême. Mais c'est quoi le barbecue de l'extrême? Mais c'est quoi c'est quoi votre concept? Le concept barbecue de l'extrême, comment je veux dire en un seul mot, c'est la rencontre de l'art culinaire, c'est tout. Ouais. C'est la rencontre de l'art culinaire. Et on essaie de présenter les valeurs du 237 de façon amusante, on va dire ça comme ça. Donc là, ici, nous avons choisi comme alcool le rare. Le rare qui est une boisson faite à base de vin blanc. C'est une liqueur camerounaise. Mais là, il n'y a pas que le rat, je vois plusieurs décoctions. Non, non, y a, la base, c'est le rat. Oui. Mais nous avons fait vieillir avec différentes épices. Je peux savoir lesquelles, s'il vous plaît. Donc là, présentement, nous avons au gingembre, ça. Oui. Et là, c'est à la cannelle. Ok. Tu vois. Et maintenant, ça, c'est un de nos millésimes. Parce que l'idée ici, c'est comme les bars à parfum. Les bars à parfum, tu vois ce qu'on fait maintenant là. Ouais. Nous faisons vieillir cet alcool avec plus différentes épices. Ouais. Donc après, quand tu arrives, tu peux composer ta bouteille toi-même. Okay. Tu veux dire, je veux avec telle saveur. Et à la suite, nous avons un QR code comme top 3. Ouais. Quand ta bouteille est finie, tu peux venir recommander la même bouteille après. Okay. Comme meilleur, donc le choix de plusieurs alcools pour créer un parfum. C'est un parfum, c'est comme... Comment je veux dire ça en français facile. La meilleure version d'un alcool, je te veux. Ok, merci. La meilleure version d'un alcool. Là, présentement, nous avons de la date. Tu te rapproches de la bouteille. Oui, non, ça prend. On a la date, on a un peu de cannelle. On a toute une tige de menthe fraîche. Ouais. Donc là, c'est pour représenter les différentes senteurs qu'on a mélangées dans cet alcool-ci. Ok. Tu vois. Donc l'idée ici, nous, au barbecue de l'extrême, nous essayons, déjà parce qu'on fait un gros travail de fond, un travail de recherche sur notre gastronomie, sur nos plats, nos boissons et tout. Et au barbecue d'Essen, nous venons présenter un peu nos travaux. Nous venons vous reconcilier avec ce que nous faisons, ce que nous avons vu de chez nous. C'est ça l'idée. Donc, faire un travail de transmission pour le reste. C'est pas, on n'innove pas. C'est pas genre on est venu créer quelque chose. Ouais. Moi, de mon vécu, je me suis rendu compte que j'étais pas calé en matière de cuisine camerounaise, je ne contiens rien de chez moi. J'étais formé sur la base des mets européens, occidentaux, sur les techniques qui viennent de l'extérieur. Maintenant, quand je me retourne vers ma culture, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Une raison pour laquelle vous avez fait des recherches J'en fais toujours. Je ne suis pas calé, j'en fais toujours parce que je suis dessus. C'est trop large. Il faut rencontrer des patriarches qui vont t'en parler, des grand-mères, des matriarches et tout ça. D'abord répéter le plat, ensuite connaître la recette originelle, ça a été créé quand, par qui, quel est l'apport énergétique et tout ça, pour mettre ça dans un recueil, pour que la suite, par exemple, j'ai mon fils qui me dit, papa, je vais être cuisinier comme toi, qu'est-ce que je veux laisser à mon fils pour qu'il soit calé par rapport à la cuisine vers moi-même. Et pourquoi cet amour pour la cuisine, bien d'où vient cet amour pour la cuisine? Bizarrement, je suis entré dans la cuisine par hasard parce que j'avais faim. Moi, pour dire, je suis un enfant de la rue, tu vois. Et un grand frère qui était fatigué de me donner des sous tout le temps, il m'a dit, viens travailler. Et quand j'arrive pour la première fois en cuisine, je me rends compte qu'il y a plein de nourriture. J'étais super content. Je vois. De manger gratis et tout. Oui. Donc après, en faisant travail tout le temps, il me donnait des directives, fais ci, fais ça. Et un jour, j'ai pu reproduire un plat par moi-même, sans qu'il me le dise et tout ça. Et ça a été mangé par un grand homme de la place, qui après m'a dit à moi, même pas apprenti cuisinier, que c'était très bon. Ce sentiment de fierté, d'avoir réalisé quelque chose sans faire un faux truc, je suis tombé directement amoureux de la cuisine et j'ai commencé à faire des recherches. Et après, je me suis senti dépassé par... il fallait que j'applique, il fallait que je comprenne parce que la cuisine a un langage. Il a fallu que je tout ce que je travaille comme argent, dans mes petits boulots, je mettais ça dans les livres. Moi, je suis un autodidacte. Tu vois? Donc, j'ai mis dans les livres, j'ai commencé à apprendre des choses. Je subissais des formations en ligne. Je travaillais gratuitement parce qu'il fallait que j'applique. Tu vois? J'acceptais de travailler gratuitement
Et ça m'a valu d'être où je suis aujourd'hui. J'ai commencé à chercher à avoir des attestations, travailler dans des endroits, réclamer des attestations de travail pour que ça serve à valoir. Voilà, c'est ça en fait. Donc je trouve que le concept est un concept itinérant du genre aujourd'hui vous êtes derrière Wapakash pour une certaine période et après vous irez peut-être à Douala, peut-être à Bamenda. Oui, oui, oui. Je vais à la rencontre des gens et de la cuisine parce que c'est surtout un échange avec les gens. Le barbecue de l'extrême, c'est ma façon à moi de parler avec les autres parce que je suis le résultat de beaucoup d'échanges. Parce que moi, je dis, le barbecue, ce qui est le concept mère, on va dire, c'est je suis. Je suis, c'est l'ensemble des influences, des vécus et tout. Qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Où est-ce que je veux dire? Hyper bien. Je suis a fait, m'a poussé à créer le concept barbecue d'extrême. Barbecue d'extrême au départ, c'était parce que on a eu comme défi de mettre tout sur un barbecue. On braise tout. On braise tout. Tu vois? Braise les légumes, les fruits, ananas, même toutes les viandes que tu imagines. Ouais. Partant des viandes exotiques qu'on a, on retrouve chez nous, les viandes conventionnelles. Je braise de tout. Tu vois? Et ça a été accentué par la problématique que nous avions dernièrement, la pénurie d'huile. Oui. Je me suis retrouvé en train de briser tout au palais des sports. Ouais. Ça a valu ce que ça a valu, tu vois. Donc l'idée ici, c'est de... Moi, comme je dis, je ne suis pas là pour... je dis bien, je ne réclame pas quelque chose. J'ai même pas la légitimité d'être un porte-parole. Ouais. Je balance seulement ce que moi, j'aime faire, tu vois. Maintenant, si ça plaît, c'est un échange parce que je vais te présenter un plat. Après, tu vas me dire, moi, c'est bien, mais il fallait rajouter ça. Tu vois, ton idée me fait améliorer le plat. Tu vois un peu. Moi, je suis ouvert à l'échange. Je me dis, si nous tous, avec une main, tu peux attacher un fagot, tu peux pas. Tu peux arrêter, mais tu ne peux pas attacher. Il faut que quelqu'un d'autre main t'aide. Tu vois un peu. Je me pense qu'avec. Je sais pas. Ce que je réussis à faire aujourd'hui. C'est pas moi, tu vois, c'est l'influence de vous, de ma femme, de mes fils, de mes frères, parce que moi aussi j'essaie de donner la même chance aux jeunes qui se sont retrouvés dans la rue comme moi à faire des mauvais choix, que ce n'est pas la seule voie, tu peux devenir quelqu'un de meilleur après. Donc moi je ne forme pas, je dis pas que je ne forme pas pour ne pas être... Je n'ai pas un formateur au sens académique du terme, mais vous pouvez tenir un jeune par la main. Oui, je lui dis, voilà ce que tu peux. Moi, je suis passé par là parce que je me dis, je peux parler de drogue à quelqu'un parce que je me suis drogué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que le Seigneur m'a permis de faire toutes ces erreurs pour pouvoir transmettre à autrui que voilà ce que j'aime aujourd'hui. Ça me nourrit, ça nourrit ma famille. Si tu aimes ça, ou si tu, je sais pas, il y a toujours un truc à faire. Je dois dire que vous avez des sauces assez pétillantes. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance d'en goûter une. Oui, oui. C'est pétillant parce que vous dites que c'est pétillant. Moi, j'ai une idée. J'essaie de la mettre sur pied. Et c'est vos retours qui me poussent à travailler plus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et là, c'est quoi que vous êtes en train de faire un cocktail? Je suis en train de faire un cocktail comme nous appelons le trône du roi. Ouais. Le trône du roi, c'est un cocktail à base de notre liqueur et le reste vous allez suivre. Vous allez goûter. Je vous remercie. Je vous en prie. Sinon, tu commentes alors. Ok. Le trône du roi, on va commencer par l'ananas. Jus d'ananas, nature. C'est un truc d'homme, hein. Parce que maintenant, nous ajoutons notre liqueur à la base de cannelle. Soyons généreux. Toujours dans nos verres de mayonnaise. On travaille aussi beaucoup la récup. Hein. Ok. Beaucoup de récup. Tu vois, nos verres sont assez atypiques. Bon, on va continuer avec notre boisson énergisante. Ah.
essayer du jus de citron. Jus de citron là-dessus. Voilà. Et là, je pense que cette boisson, elle a des valeurs calorifiques. Elle ouais, a... Oui. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Le citron, c'est la vitamine C. Il y a beaucoup de valeurs énergétiques dedans, mais il ne faut pas en abuser. C'est que okay. L'excès d'alcool nuit. Hein. Ok. Ouais, un bon cocktail comme ça, ça va. Un bon cocktail comme ça, ça va. Tu ne vas pas. Cocktail, c'est pour passer du bon temps, c'est pas pour finir dans la rigole. La différence est claire et nette. Voilà. Donc, on a notre citron. On va continuer pour appeler. Ou un petit rappel. D'abord des morceaux de citron qu'on va mettre à l'intérieur. Tu vois, le verre, il est généreux. Ouais. On sert comme en Afrique. Ah oui, dans oui. Une certaine générosité. Le verre, il est généreux. Donc, morceau de citron. Voilà. Et la touche finale, notre sirop de grenadine. Voilà. Tu veux quelle couleur de paille? Celle qui vous plaît, fera plaisir. Ok. Allez, monsieur servi. Bonne dégustation. Thank you very much. Voilà. Un mot de fin, un mot pour accompagner, un mot pour inviter les gens à venir, à vous suivre sur vos pages Facebook, Instagram, Twitter. Comme je dis toujours, ce soir, par le partage. Sans vous, je suis rien. Ouais. Moi, je prends le mariage parce que nous sommes un seul peuple. Mariage entre, il n'y a pas. Moi, je suis camerounais, je suis bamileke, je suis boulou, je suis tout le monde. Je suis tout le monde, surtout dans la richesse culinaire, parce que nous, en matière de plats, en matière de richesse gastronomique, nous n'avons rien à envier. On retrouve tout dans notre pays. Donc moi je suis celui-là qui vous propose des plats festifs à tous les budgets. Par rapport à vos budgets, je m'adapte. Voyez. Et venez au barbecue, venez par curiosité, vous allez rester par satisfaction et ensuite par conviction. Ceux qui veulent vous chercher sur les réseaux sociaux. Barbecue de l'extrême 237, en un seul mot. Sur Facebook. Sur Facebook, barbecue de l'extrême 237. Sur Instagram, pareil. On n'a que ces deux réseaux pour le moment. On n'a pas encore de page YouTube parce que nous ne voulons pas encore nous ouvrir complètement parce que je pense que il faut maîtriser ce que tu proposes. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Nous allons doucement, doucement. Je vous remercie. Merci à vous d'être passé et bonne dégustation. Merci. Par exemple, lui, c'est déco. Comme je parlais de mon vécu, tu vois. Le jeune que tu tiens par la main. Oui. Lui, quand je faisais des faux coups, sortir tout le temps, c'est le petit frère qui a copié tout ce que j'ai fait de mauvais. Tu vois le frère. Et après, il a été, comme il me suivait, il m'a toujours suivi. Je lui ai dit, voilà ce que tu peux faire d'autre. Et il s'avère qu'il est très doué comme cuisinier. Tu vois un peu. Hyper doué. Donc nous, on l'appelle déco, le décodeur des viandes. Parce que. En matière de grillade, c'est un chef.
vois. Donc, c'est la première personne à qui j'ai transmis ma passion. Et en lui disant, on sort peut-être d'un ghetto, mais on n'est pas obligé de finir comme nos aînés, comme certains de nos aînés, je dis pas tout ça. Ouais. Comme certains, on n'est pas obligé de prendre le mauvais choix, de prendre le mauvais chemin. Okay. Donc voilà. C'est intéressant. Ouais. Let's see.